ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Si nous voulons le son plus fort, on en augmentera le volume. Si nous le voulons moins fort, on pourra aussi le faire chuchoter. Contrôle du balayage horizontal. Contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi nous amuser avec l'image, la rendre totalement floue, peut-être même incroyablement brouillée, ou même, pourquoi pas, pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement et nous contrôlerons tout ce que vous entendrez et verrez. Nous répétons, nous avons le contrôle total de l'émission. Bah, bonjour, 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 bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon live. Là. Ça ne sera pas long. Je vais faire entrer les invités suite. Charles-Olivier. Bonjour, Charles. Salut, bonsoir. Et Mélanie Gauthier. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon, je ne suis pas capable d'aller partager mes affaires. Là. Je vais vous laisser commencer par parler un petit peu de ça. Bon, il y a une manifestation qui s'annonce pour le 9 mai 2024, jeudi dans deux semaines. Je vous présente Charles-Olivier qui va nous parler un petit peu de sa manif. Pour ça, puis ce serait aimable que tout le monde partage, puis que tout le monde y aille à sa manif-là, parce que c'est très important, je pense. C'est beaucoup sur la biométrie, le vaccin, la loi 50, tout ce qu'on veut pas de M. Gargamel Trudeau. À toi, Charles, je te laisse la parole. C'est ça. Fait qu'en effet, c'est dans le fond, c'est toutes les de protester contre tous les éléments, on pourrait se dire totalitaires du parce que c'est le terme sur lequel je pense que c'est plus approprié de rassembler ces éléments-là. Donc de l'action de la CAQ puis des parlementaires dans leur ensemble vu qu'ils suivent tout anyway. Là. Puis ça, dans le fond, post-COVID, tu sais, parce que on dirait que maintenant qu'il n'y a plus de mesures, la résistance a comme stallé un peu. Pourtant, il y a vraiment de plusieurs éléments qui continuent, à commencer par donc l'identité numérique, le projet de loi 50, le projet de loi 57 là, pour des amendes de 1 500$ pour oser critiquer un élu. Puis ça, c'est des éléments de base, mais en plus de ça, si je regarde la description de l'événement, t'as plein de choses qui se passent, ailleurs, pour ainsi dire, donc au fédéral puis au niveau mondialiste, là, donc celui de l'OMS, puis donc au fédéral, le projet de loi 63, évidemment. Ensuite, il y a aussi au niveau du DGEQ, tu as la réforme électorale, qui relaie des éléments du Forum économie mondiale, que, comme tu vois que c'est leur nouveau combat, nouveau fer de lance, eux autres, c'est la lutte à la désinformation puis au discours d'incitation à la haine. Fait que, c'est leur nouvelle façon de nouveau prétexte pour faire taire la dissidence puis pour installer justement des mécanismes de contrôle digne de n'importe quel régime totalitaire. T'sais. Fait que ça, toutes ces choses-là, tu vois que clairement, Legault, mettons, que soit la façon dont on le voit, là, qu'il soit qu'on y prenne des intentions malveillantes ou non, ou qui est juste stupide et inefficace, ben il fait rien pour lutter contre ces choses-là, pour les empêcher. À l'instar de ce qui se passe avec l'immigration massive d'ailleurs, tu comprends? Il fait rien pour réellement s'opposer. Même qu'au moins, dans le cas d'immigration massive, tu vois qu'il essaye de parler un peu du bout des lèvres puis de pleurnicher un peu. Mais dans les autres cas, on voit même pas l'ombre de ce genre de contestation-là. Surtout qu'on sait que c'est un fan du Forum économique mondial de toute façon, puis que tu sais, il a fait des signes de franc-maçon à plus d'une reprise, là. Mais tu sais, bon, fait que l'idée, c'est ça, c'est que là, ça continue. C'est pas parce qu'on n'a plus de masse puis qu'on n'a plus de niaiserie sanitaire que le programme continue pas. On est en train de se faire avoir encore plus parce que là, justement, on voit pas ces choses-là où on sait, mais on le laisse faire. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire cette manif-là, puis d'en profiter pour ouvrir la porte à un sit-in. Tu sais, je dis pas que moi, je vais rester, je dis pas que
T'sais, Mélanie va probablement venir avec moi aussi. On va pas nécessairement rester sur place là, mais c'est ça, pour bien faire, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait que ça soit le coup d'envoi d'un nouveau sit-in. Oui, mais qu'est-ce que tu veux entendre dire par le monde? Le monde me pose des questions. C'est quoi le vaccin biométrie? ouais, ben tu sais, honnêtement, ça, c'était plus l'image que j'ai pris puis que sur Google Images, puis j'en ai fait là, la couverture de l'événement. Mais les vaccins biométriques, ben, tu sais, c'est parce que c'est ça, c'est toutes les... Ouais, je pense que pour bien faire, il faudrait que j'en parle aussi dans mon discours, là, mais c'est tout le contrôle qui peut qui est probablement effectué à partir des vaccins, tu sais. Disons, je vois ça comme plus comme la cerise sur le sundae, là, dans le sens que tu sais, ceux qui sont plus bien renseignés, on sait que c'est quelque chose qui est réel. Mais tu sais, à quel point que ça vaut vraiment la peine, je trouve, d'axer notre combat là-dessus. Il y a plein d'autres choses à mentionner, là, tu sais, déjà que si on veut pas trop se faire traiter de complotiste plus qu'il faut, là. Mais tu sais, je veux dire, je voyais une vidéo tantôt là, qui montrait tout le graphène. Là, qui est dans le vaccin, puis comment ça interagit avec la 5G. Tu sais, on sait que c'est des choses qui sont réelles, mais tu sais, de toute façon, c'est le mal est fait là, au niveau du vaccin. L'idée, ouais, c'est de comprendre qu'il y a du totalitarisme vraiment réel qui est effectué par la CAQ, que ce soit de ce qui a été fait pendant les mesures, puis comme le vaccin qui est encore, qui a encore un effet, finalement, qui est encore... qui rentre en ligne à ce niveau-là, mais il y a plein d'autres projets de loi qui sont actuels, tu sais, puis comme ça, on pourrait stopper si on se mobilisait pour la peine. OK. Dans le fond, c'est tout pourquoi qu'on s'est battu, oui, depuis 2020. Exactement. Puis ça dégénère, la loi 50. Tu peux nous parler un peu de la loi 50? Ben oui, parce que tu sais, c'est comme tu es entièrement pile dedans, Peter, quand tu dis ça, parce que dans le fond, tout ce qui est encore actuel est encore pire, dans un sens, qu'est-ce qu'il y avait dans la COVID. Au projet de loi 50, par exemple, là, c'est, puis à l'instar du projet de l'OMS, c'est le même principe, hein, mais l'OMS, c'est vraiment pour les pandémies, mais le projet de loi 50, il est plus global. Il inclut pandémie, feux de forêt, inondations. Dans le fond, c'est de dire n'importe quoi, qu'il y a un petit problème quelconque, que Toto se gratte l'orteil, là, il a mal, ben là, on déclare l'état d'urgence. Et puis là, si tu lis le projet de loi, c'est vraiment, dans le cas qu'il y a un état d'urgence qui est déclaré, ben là, le gouvernement peut faire ça, mais peu importe la description des ça, c'est qu'à la fin, et tout autre pouvoir, et n'importe quelle autre chose ne soit sollicité par les circonstances. Ça, c'est du vrai totalitarisme, tu comprends? Puis c'est, ouais, ça sera plus un décret comme dans le temps de la COVID. C'est une loi. C'est vraiment tout comme l'OMS qui essaie de faire aussi. Ils disent, oh là là, on veut faire des. On veut que ça soit écrit en noir sur blanc, puis que ça soit coulé dans le béton. Là, on va être tout autrement plus mal fichu. Ben juste s'il ne m'a pas déjà passé le projet de loi 50. Mais tu sais, ce qu'on prend, c'est que là, on est vraiment en train de s'en faire passer des solides, là, puis qui sont pendant qu'on ne regarde plus, puis qu'on ne s'en fait plus parce qu'il n'y a plus de COVID. T'sais. OK. Puis ça se passe tout jeudi, le 9 mai. Oui. Devant la colline parlementaire à 10h. Ouais, le monde peut venir nous rejoindre à partir de quelle heure? Ça commence à 10h, mais ils peuvent rentrer comme à 9h ou arriver à 9h. Ouais, ouais, ouais. Va-tu avoir quelqu'un sur place? Ben, tu sais, c'est ça. Il va falloir qu'on regarde ça avec Mel et Jérôme, là, dans quelle façon qu'on va s'organiser. Ouais, je sais, moi, avec que je vais être là. C'est certain que je vais être là pour vous encourager. Puis, j'ai bien du monde qui va descendre. Peut-être que mes amis de la Beauce vont descendre avec. Puis, j'ai une couple de vétérans là, qui vont être là. Ouais. C'est certain que, tu sais, moi, je suis à cœur cette affaire-là. C'est mieux que, en tout cas, pour les autres après, ce qui ne tient pas à cœur. Le vaccin, tout ça, je sais que j'ai une personne qui travaille dans ces centres elle travaille comme dans un centre de personnes âgées. Elle m'a dit que cette semaine, tu vois, aujourd'hui, c'est sa première journée de travail. Ils ont commencé à avoir des masses. J'ai parlé avec Mélanie l'autre jour, puis tu sais, le Swiss test, là, ce qu'il appelle, là. Ouais. Il faut qu'ils retournent aux masques M95 dans ça, puis là, ils recommencent à mettre les masques dans les hôpitaux parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Hein?
Ben, si je m'abuse, là, Peter, je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien, Amel. J'ai un de mes amis qui travaille dans un hôpital, OK? Puis ce qu'il m'a dit, c'est que depuis quelques semaines, il y a énormément de cas d'anévrisme, d'AVC, de crise cardiaque chez des femmes enceintes, des jeunes. C'est pas des vieux, là. C'est toutes des jeunes dans vingtaine, dans trentaine qui meurent d'anévrisme puis tout ça. Fait que oui, il y a un problème. Tu sais, les gens, on est en surmortalité présentement. Ça, c'est un. Puis j'avais autre chose à apporter concernant les vaccins. On dit que c'est terminé, mais moi, j'ai écouté un reportage, un documentaire par un microbiologiste du Québec, que lui, il a reçu des documents, puis il les a étudiés, puis tout concernant les prochains vaccins qui vont être mis sur le marché. Puis en fait, ce que les scientifiques se questionnent, puis ce qu'ils ont produit, c'est en fait des vaccins pour vacciner les autres, des gens qui ne veulent pas le prendre à leur insu. Puis là, j'explique un peu ce que le monsieur disait. C'est, mettons, ils vont développer un vaccin pour un animal de compagnie, un chat, un chien. Toi, tu vas faire vacciner ton chien, ton chat, mais il est volatile, le vaccin. Ça fait que, de par ton animal, tu vas te ramasser vacciné, tu sais, malgré toi, sans le savoir. En fait, les nouvelles technologies, c'est ce qu'ils disent, tu sais. C'est vraiment traître, là, à mon avis, comme technologie. Fait que c'est pas terminé, ça aussi, il faut le dénoncer. Puis, à mon humble avis, il faut que nos bons gouvernements comprennent là, que le loi 50, qui vont lui autoriser n'importe quoi là, pour nous mettre en état d'urgence, tout va être valable, en fait, avec cette loi-là. Il y a la loi qui va nous baïonner aussi, là, nous censurer sur partout les réseaux sociaux où ce qu'on ne pourra plus dire ce qu'on veut dire, comme on le fait là présentement, tu sais, ça s'en vient aussi. Le traité de l'OMS, ça c'est grave sur un méchant temps. Je pense que la population, c'est important qu'on aille dire notre désaccord parce que rien dire, c'est comme une forme de consentement pour le gouvernement. Eux autres, ils vont se dire, le peuple québécois, canadien, sont prêts pour tout ce qui s'en vient. Ils disent rien, tu sais. Puis c'est pas le cas. Ça fait que, puis surtout pour ces points-là, parce que si on dit rien, on est fait comme des rats sur plusieurs points. Mais en fait, la loi 50, l'OMS, il y a rien de bon pour la population dans rien à rien d'un point qu'on s'en va militer, là. Puis c'est pas juste militer. Ça allait dire un jeudi, une journée qu'ils sont tous dans la cabane, là, dans la cabane qu'on lui paye en plus, hein, qu'on n'est pas d'accord avec eux autres, point final. Il y a Cassandra, la question, c'est pas là, que ça mène nulle part. Si on ne l'essaye pas, on ne le saura jamais. C'est juste essayer. Ça ne coûte à rien. C'est certain qu'on ne demande pas au monde de partir de Montréal à Ottawa, de descendre à Québec, mais si vous êtes dans le bout de Québec, ben au moins venez faire un tour jeudi, il y en a 11 beaux, puis le temps de se promener, c'est juste une petite manifestation. Si vous voulez l'avoir, la loi 50. La grosse réponse de base moi, que je donnerais à Cassandra, puis c'est vraiment important, là, c'est tu sais, ça peut avoir l'air juste d'une petite twist sémantique quand je dis que la porte est ouverte à un sit-in, là, mais tu sais, pour comprendre pourquoi c'est important. Il suffit de regarder la contrepartie. Mettons que je ferais comme la plupart des influenceurs font, c'est-à-dire on fait une manif, après ça on dit, l'organisateur le dit lui-même, comme ça a été fait combien de fois, sans dire de nom, il va dire « retournez chez vous, la manif est finie ». OK, tu comprends? Ça, cette passe-là, là, c'est une passe d'empêcher de tourner en rond, tu comprends? Mais du moment que tu dis « on demande pas mieux que ça, là, que les gens restent sur place ou qu'ils se mettent à revenir au sit-in continuellement », ben là, ça veut dire que c'est up to you, là. C'est up to la population. Si elle dit qu'elle vient pas, ben, c'est comme si tu t'auto-sabotes. Tu sais, plus les gens vont pas dire ça puis vont venir, plus que là, ça peut changer quelque chose. Mais si on se met sur ce mode sit-in, le mode occupation comme Ottawa, on sait que ça peut changer quelque chose. C'est justement pas comme une manif à ballon de stade olympique. OK? Ah. Si vous êtes tanné parce que vous avez été manipulé par des oppositions contrôlées qui vous font faire des choses qui servent à rien. Mais il y a une différence entre quelque chose qui sert à quelque chose et qui sert à rien.
C'est en plein ça, le fait de leur dire là, qu'on n'est pas d'accord, ça, là, on leur enlève notre consentement. C'est vrai de ça, eux autres, ils fonctionnent par consentement. Un peuple qui dit rien, là, ils ont le consentement, ils sont d'accord. Il y a une bonne vieille tactique qui dit qu'une écharpe, je l'ai dit hier deux, trois fois lorsqu'on se jase entre nous autres, Charles, c'est bien pire avoir un écharpe dans le pied que d'avoir une claque sur la gueule. Une claque sur la gueule, ça fait mal sur le coup, puis après ça, c'est fini. Mais une écharpe, là, il n'y a bien qu'une petite roche d'une botte. C'est tannant. La première journée, tu dis « OK, j'ai une roche d'une botte ». La deuxième journée, tu commences à dire « maudite roche dans ma botte ». Puis la troisième journée, t'es à bout de la roche. Là. Tu veux l'enlever de là. Hein? La quatrième encore plus, et ainsi de suite. C'est une bonne vieille tactique. Ça fait que oui, t'as raison avec ton histoire de sit-in, si on peut dire sit-in. C'est vrai que si on dit notre désaccord, on fait la fête, tout ça, c'est de la shit. T'sais? Ça veut rien dire. Un, ça nous décrédibilise. En tout cas, ça nous discrédite, en fait. T'sais. C'est direct en partant, ça, c'est pas le bienvenu. Mais t'sais, quand ils voient que le peuple reste et qu'ils s'en vont pas, ben c'est parce qu'ils sont vraiment pas d'accord de la patente. Premièrement, c'est pas d'aller faire la manip qu'on va prendre un coup puis fumer des joints et salut. Hein. Ça, c'est pas ça qu'on veut. Hein. Ça fait longtemps que je le dis. Si on veut se faire entendre, c'est de rester un peu sérieux. Pas arriver là avec un 41 de gin ou ces bacs de poudre puis de drogue, ça marche pas avec ça. T'sais, si on fait ça du sérieux, mais si on manip, on fait ça bien comme du monde. En plein ça, moi, j'ai jamais bougé jusqu'à la date pour dire, peut-être deux, trois fois jusqu'à la date. C'est pas pour rien. Sur YouTube. Ça fait pas sérieux, les choses que j'ai vues jusqu'à la date. À un moment donné, ça prend du sérieux, puis aller vraiment dire, là, on n'est pas d'accord, point final. On l'essaye, c'est tout. C'est pas pire qu'aller se promener sur le bord de la main ici, puis aller pour le gaz, la taxe de Starbucks. Les autres, ils l'essayent. Il y en a qui sont pas contents, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents de ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va tous finir dans le même bateau. Hein. Donc, on le sait très bien de qu'est-ce qui s'en vient, puis on va finir dans mon bateau. Donc, Charles, ton invitation tient debout, je vais être là, c'est sûr. Tu peux compter sur moi, puis tu peux compter peut-être, je suis certain que j'ai au moins 10 vétérans qui vont descendre ça, puis j'ai du monde avec de la Beauce qui m'ont dit qu'ils descendraient. Donc, tu devrais remonter avec une couple de personnes certaines. Si on est capable, on va en faire la promotion toute la semaine avec. Là. Ça va être, on va essayer que ça soit gigantesque un peu, là. Tu sais, que ça, qu'on montre, c'est pas fini, que Monsieur Gargamel, il nous prépare des beaux coups de couteau dans le dos, puis on le sait très bien. Ouais, ah, puis, oui. De même esprit, c'est ça, comme on disait tantôt, mais c'est bon que les gens le sachent, que François Maléga va être là, que Pascal Zourlou va être là, que J.C. Chris Lameude va être là. Ceci dit, encore là, c'est, tu sais, il faut que chacun soit son propre leader. Ça sert à rien de s'asseoir sur ses lauriers puis à suivre, se mettre en arrière de la remorque. Là. L'idée, c'est que plus qu'on partage l'événement, c'est pas une bonne miracle, là, plus qu'on en parle, mieux c'est. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de position contrôlée chez ceci. Je n'aimerais pas parler comme ça. Je devrais rester gentil, mais la porte est ouverte, là. T'sais, moi, c'est parce que la plupart des leaders de la haute du mouvement, j'ai comme le feeling qu'ils ne seront pas là. Mais ça serait chouette qu'ils soient là. Puis là, c'est important de leur tendre la main puis de leur dire, regardez, c'est comme ça qu'on faisait au CETIN aussi. C'est juste trois quarts du temps, ils nous boudaient puis ils s'en foutaient. Mais tu sais, tant mieux si n'importe que tout le monde soit bienvenu, n'importe que soit leader ou plus ou moins leader, OK, c'est partager, comme Alain Cyr disait dans le temps, partager aussi à vos leaders pour les traîner sur place. Puis c'est comme ça qu'on va montrer, c'est pour ça qu'on suspecte, qu'on se demande si c'est des vrais, ben ça va être le bon moment de le prouver. En plus, notre cher monsieur Gargamel Legault, il va être au Parlement de Québec jeudi.
Ah, OK. Ouais, il a reçu, je pense qu'il reçoit un diplomate. Il y a un diplomate qui arrive là au Parlement de Québec. Il va être là pour chose. C'est justement une bonne façon de se faire entendre. Hein, que, tu sais, on va le lire un petit peu. Puis, il y a une affaire, moi, que j'entends depuis le début de ces maudites affaires-là de COVID. Hein? Un peuple uni, c'est un peuple plus fort que le peuple québécois s'amusait à dire pendant les dernières années. Je trouve qu'un peuple fort, là, ça s'égrène pas mal vite en moindre petite affaire. Il y a plus personne debout tout près. Tout le monde est dispersé. À un moment donné, c'est parce que c'est une cause qui rallie tout le monde. C'est pas une question de leader, c'est pas une question de qui est le chef. C'est une question que chacun mène sa barque. Puis en ce moment, on a tous nos enfants puis les générations qui s'en viennent à protéger. Puis si on fait rien, ça va être l'horreur, même pour nous autres, pour les années qui suivent. Là. Ben, c'est ça, Hélène. Je n'ai pas formé ma vie de même. Là, si, là, Hélène, c'est... c'en est une de mon bout. Elle reste pas loin de chez nous. Puis je te salue, Hélène. Oui, c'est certain pour la génération future, pour les enfants. Gars, c'est... Moi, je le dis tout le temps dans mes lives. Les enfants, et pour les protéger, puis nos grands-parents avec, puis nos frères, nos sœurs. Il y a eu assez de chicanes pendant la pandémie, là, que c'est le temps d'arranger les pots cassés, hein? Ouais, mais tu sais, dans un même esprit, Peter, tu sais, je veux dire, tu sais, puis comme Mélanie qui parlait d'union, puis tout ça, si tu regardes le commentaire précédent qui dit, là, à gauche-droite, c'est pas le temps de nous diviser. Mais justement, mais arrêtez d'en parler. Oui. C'est qui a parlé de gauche-droite ici? Personne ne parle de gauche-droite. On parle de projets, comme disait Mélanie, que ça nous affecte toutes. On est toutes pognées avec ça. C'est merveilleux. On est unis par défaut. On est unis dans notre châtiment. Il est où le rapport de commencer à mettre des étiquettes? C'est lui qui pointe le doigt. C'est lui qui a les trois doigts pointés vers lui. C'est la personne qui amène les étiquettes de gauche-droite, mais... Il n'y a pas de gauche-douette. Pour se faire entendre, c'est tout. C'est complètement ça. Puis moi, ben, qu'est-ce qui me branche? Ben, c'est justement ça. Moi, tu sais, la taxe d'ascarbone, tu sais, elle m'attire moins. Moi, j'ai plus le côté vaccin, ce côté santé, ce côté enfant, au côté. J'ai plusieurs de ma famille, j'ai pas juste une personne que je connais qui travaille dans le système de santé, et quasiment toute ma famille travaille dans le système de santé, ça travaille dans les hôpitaux, ça travaille dans les CHSLD, puis j'en entends des vertes, des promures, puis ça, je le sais qu'à Montréal, ils sont rendus qu'ils mettent les masques, ils sont en train de mettre les masques, ici, à Québec, ben c'est rendu ça, ils vont demander des fistesses, là, je sais pas trop c'est quoi, mais Mélanie, elle sait un peu c'est quoi, parce qu'elle a eu la chance de le pratiquer un peu, c'est sa base militaire, là, mais, tu sais, c'est des M95 à se mettre dans la face avec des visières puis tout ça, mais ça a l'air bien tranquillement. On le sait que ça va revenir. La loi 50, le go, il veut pas il va la sortir, peut-être pas pour rien. Hein. Gargamel, là, il aime bien les schtroumpfs. Puis tu sais, à un moment donné, c'est bien beau d'être défaitiste et de rien à faire, là. Mais si on veut leur paver le chemin là, à ce rouleau compresseur-là, la meilleure façon de faire, c'est de se dire ça. Puis de deux, après ça, c'est de dire c'est quoi qu'on peut faire. Moi, c'est pas pour rien que j'ai certains partis politiques. Je me dis, on va essayer cette voie-là. Mais peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas. Il faut lancer plusieurs lignes à l'eau. Mais ce qui est sûr, c'est que si la politique, ça ne marche pas, là, ben là, on est repogné pour revenir à ce genre de choses-là, à l'action directe. Puis, tu sais, j'en parlais avec Étoile du Ciel aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au Québec avec un peuple, tu sais, soumis, puis mou, puis apathique, comme on l'a. Ben, je veux dire. Il y a des avantages aussi. Il y a des avantages à ce qu'on soit non-violent parce que, tu sais, c'est ça qu'on idéalise beaucoup les Français, tu sais, qui pichent de la merde partout puis qui font des affaires de gilets jaunes, mais ils vont marquer que ça n'a pas arrêté le plan pareil, hein. Puis, tu sais, mettons, tu prends Ottawa, qui était ce que la résistance canadienne puis francophone a fait de mieux. Ben, même là, c'était pas violent, c'était juste semi-légal. Puis, ça, on n'a pas réussi pareil. Fait que, tu sais, je veux dire, Avec la disposition québécoise d'être frileux, peut-être qu'on peut en faire une force dans le sens que, tu sais, en se mettant complètement legit, en parquant pas de char dans la rue, en se mettant pas dans la merde, sans parler de pas faire de violence, on a la possibilité de faire des sit-ins qui restent dans le temps puis qui, tu sais,
sans problème, parce que quand Mélanie en parlait tantôt, là, qu'il s'agit d'être une épine dans le pied, la preuve que c'est vrai, c'est que quand on a fait le sit-in, là, Pat Dupuis, il s'est fait exactement dire ça par l'entremise de policiers qui a dit, en haut, il leur avait dit, hey, vous allez m'éclairer cette gang-là d'innocents, là, en avant, on était écœurés des voir, ça les tanne. Mais même les polices leur ont dit, écoute, on peut rien faire contre des gens qui sont là avec leur café. Puis, tu sais, si t'as pas d'abri, si t'as pas de char de parquet, si t'as rien, on est complètement protégé par la Constitution. Ça, c'est une force réelle, tu sais. Je pense que tantôt, on a parlé, puis je pense que François Omega va être là, hein. Oui. Ouais. Que s'il y en a qui veulent voir François, bien, il va sûrement avoir des autres lanceurs d'alerte, là, qui vont descendre, là. Je suis en communication avec eux autres, là, d'en faire revenir une coupelle, là, mais je sais que François Omega, il va être là. Mais je pense que Mel voulait dire quelque chose. Hein? Ben, j'ai comme perdu mon point de ce que tu étais en train de dire, je me rappelle plus comme. OK. Mais ça ne doit pas être important si je me rappelle plus. Oui, ben c'est ça, ben là, tu sais, je peux pas annoncer qui va être là puis qui sera pas là pour pas donner de faux espoirs, mais je sais que ça, on le sait que François Méga va être là. OK. Moi je sais que j'ai une dizaine de vétérans qui vont descendre. J'ai du monde de la Beauce avec qui descend. On va aller te voir, c'est sûr et certain. C'est sûr, 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 sûr. J'espère qu'il annonce beau, hein. C'est sûr que, tu sais, une autre problématique, c'est que ça tombe pas mal en même temps que ce que l'autre gang fait à Jutel en Abitibi, là. C'est en Abitibi, c'est en fin de semaine, je pense, là. Mais je pense que c'était remis. Il y en a 13, 14, c'est pas pire. Mais je pense que Stéphane m'avait dit tantôt qu'il y a quelque chose qui était remis. Ah ouais? À cause que monsieur Sylvain Sinclair, il était pas là, il voulait pas y aller. En tout cas, ils sont supposés de s'arranger avec ça. Ah. Mais si Sylvain, si je te passe un message, si tu veux venir en passant, si tu es en descendant vers Québec ou en descendant vers le Nouveau-Brunswick, que tu peux arrêter, t'es bienvenu, pas de problème. Hein. Même Robert Dorion, là, il va nous écouter, puis s'il veut venir faire un tour, mais on l'invite. Ouais, parce que honnêtement, je me souviens pas qu'il y a eu une manif pour adresser ce genre de choses-là. C'est assez ironique, là. C'est assez incroyable. Avec toute la résistance relativement organisée qu'on a, il y a plein d'influenceurs, il y a plein de groupes, il y a plein de gens. Moi, ça se fait que ça prend. Fait que là, tu sais, en toute logique, là, toute la résistance viendrait là. C'est tout le monde se plaint qu'on fait rien, puis qu'on se trompe de combat, qu'on prend des. Moi j'avoue, j'ai souvent mis l'opinion que d'aller nationaliser de l'or dans l'Ouest, là, c'est ça. Le message est passé. Celui-là qui va être là, ben, vous êtes bienvenus. De toute façon, les dossiers qui nous touchent prioritairement, là, présentement, là, ben, franchement, c'est pas de nationaliser nos ressources. De toute manière, on a déjà des ressources qui sont nationalisées. On a la belle preuve avec Hydro-Québec. Ou est-ce que ça ne devrait même pas nous coûter une scène pour avoir l'hydroélectricité dans nos maisons? Puis, ça nous coûte une fortune, voire même plus cher qu'aux États-Unis. Fait qu'on repassera pour la nationalisation là, de nos ressources. Là. Ça, c'est mon point. Aller rechercher les territoires, par contre, qui ont été cédés par la force, ça, je serais d'accord. D'aller chercher la souveraineté, ça, je serais d'accord. Notre indépendance et tout ça, mais de vouloir nationaliser nos ressources, on devrait peut-être vouloir plus protéger notre planète que de vouloir faire encore du commerce avec ça puis nationaliser. C'est en tout cas, de toute façon, chacun ses combats, mais ce qui nous touche de proche présentement puis ce qui urge, c'est le 24 mai, traité de l'OMS qui passe. Après ça, la loi 50, on est déjà rendu à plusieurs lectures. Ça fait que là, il faudrait peut-être s'enlever deux doigts dans le nez plutôt que d'être, je ne sais pas trop où, sur le bord d'une autoroute avec une pancarte pour le gaz. Ça ne changera rien de gaz, là. S'ils décident de faire une motadine de choses, d'état d'urgence, surprise, pour un feu qui a pogné en dessous de la glace aussi durant l'hiver, là,
puis qui ressurgit durant le printemps, tel qu'il nous présente présentement déjà dans nos super médias, on va être mal foutu en tabarouette, puis là, on pourra pas dire que là, si on est mal foutu, puis ils sont donc méchants, on n'aura rien dit. Puis tu me fais penser, Mel, que ça, c'est un aspect très important de cette manif-ci, c'est de targeter le gouvernement provincial, tu sais. C'est que, tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui est souverainiste comme moi, là, mais à un moment donné, ce serait bon qu'on se rende dans la tête que de pleurnicher à Trudeau, là, que, tu sais, Trudeau, c'est pas un gentil, OK, il est pas de notre bord, tu sais. Mais là, veut dire, le Legault est pas mieux, mais c'est parce que c'est de se rapprocher de nous autres, tu comprends? C'est que le Legault, je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne le contrôle de nos institutions puis de notre Assemblée nationale, ouais. L'idée, c'est qu'on devrait être tout le temps devant le Parlement, l'occuper, tu sais, tu comprends, pour un moment donné, faire de la pression, c'est comme disait Mel, justement, puis toi aussi. Ouais, mais c'est parce que un rapport de force. Gargamel, là, il n'est pas tout le temps là à Québec. Hein. Mais tiens, on s'en fout. Gargamel, il est plus souvent à Montréal qu'à Québec. Mais là, je sais que ça fait cette semaine-là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un de la France qui descend. Mais tu sais, Peter, tu te souviens-tu? Tu sais, à Ottawa, ce qui est le plus beau succès qu'on a eu, quand tout le monde était autour de la Chambre des communes. As-tu remarqué comment que le ton changeait dans la Chambre des communes? Que là, tout d'un coup, c'était pas une question de juste Trudeau, c'est, tu sais, la pression, elle part du bas, puis elle se ramène tranquillement vers le haut. Mais l'idée, c'est que tous les conservateurs, tous les députés, ah ben oui, ben finalement, c'était pas une très bonne idée, les mesures. C'était pas spectaculaire de les voir aller. On voit que ça fonctionne, cette approche-là. Grand Schtroumpf, malheureux. Mais tout le monde est devant l'Assemblée nationale. Comme on était censé faire, depuis le début du CETEN, on voulait avoir 100 000 personnes là, puis sur une base continue. Si on réussit ça, là, on gagne, tu comprends? C'est juste de rester. Ça veut dire que là, ils vont sentir la soupe chaude. En plus, qu'on est, les élus québécois sont beaucoup plus momounes qu'au Canada. Fait que un caquiste, ça peut revirer sa veste de bord. Ça peut faire de la pression auprès de Legault. Les autres partis peuvent faire de la pression auprès de la CAQ, peuvent arrêter de suivre comme des estifies de losers qui ont qu'une colonne. Ils peuvent décider de tenir un peu plus leur bout face à la CAQ, faire une position digne de ce nom, tu sais. Oui, Marc-Éric, le message est envoyé à Robert Dorion, je l'ai envoyé. Super, parce que ça, c'est important de le faire parce que moi, j'ai plus cette patience-là. Il y en a qui veulent rencontrer Marc, là. Marc qui va être là avec nous autres en même temps à Québec. Ouais. C'est ça, faut être unis, on s'aime pas toutes dans la résistance, on se respecte pas toutes, on s'estime pas toutes, mais c'est pas grave. Non, c'est pas la question de chicaner et de pas être gauche, puis souverainiste ou pas souverainiste, c'est ce que d'une manière ou d'une autre, où qu'on s'en va, on va tous se ramasser dans le même seau, là, tu sais, dans le seau à la baignoire, là, on va tous être dedans, là, à un moment donné. Que ça soit pour les Indiens, que ça soit pour le pétrole, que ça soit pour le blé d'Inde, les agriculteurs, n'importe quoi, ça va tout finir là. On finit comme un entonnoir, tu sais. Mais il y a une autre affaire qu'on devrait se mettre dans la tête aussi, hein. C'est que le Québec, là, c'est une nation distincte de dans le Canada. OK? On a notre administration du début à la fin, là, elle n'est pas pareille à tout le reste du Canada. J'en sais quelque chose. J'ai administré tout le Canada dans ma carrière militaire, en fait. J'étais en admin. Puis toutes les provinces à travers le Canada sont identiques au niveau de l'administration, sauf le Québec, parce que le Québec a tout son système propre à lui. OK? Puis même au niveau, tu sais, du Parlement, on a le bloc, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on devrait, si les députés nous représenteraient vraiment, là, avoir notre mot à dire en termes de Québécois, parce qu'on est une nation distincte reconnue. Ça fait que notre place, là, pour aller dire qu'on n'est pas d'accord, c'est pas à Troupette, l'autre bout, là. C'est à M. Legault. Lui qui met ses culottes, les Québécois, on n'est pas d'accord. On est une société distincte, on n'a pas signé la Constitution la dernière fois. C'est pour ça qu'on a nos institutions différentes à cause de ça. Ben, c'est plate à dire, là. Mais lui qui nous représente comme du monde, puis qui dit à Gargamel, peu importe, là, qu'on n'est pas d'accord, les Québécois. That's it, that's out. Fait que notre maison qu'on paye là, des millions, mais des milliards, là, avec nos impôts, est à Québec, la maison bleue de Grand Schtroumpf. Elle est là. Allons aussi dans notre maison qu'on paye, là, un bout, on va aller dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, en tout cas, peut-être là. Moi, je vais y aller dire. Clairement, là, ça suffit. Là, ouais.
Puis même que c'est ça, une des idées aussi que j'avais, on était plusieurs à soulever, c'est on pourrait faire des manifs similaires devant tous les bureaux de députés de la CAQ. Là. Et l'idée, c'est qu'on avait même commencé avec cette idée-là au niveau des Patriotes Saglac. Mais écoute, c'était compliqué juste d'arriver à ça. Fait que, mais, on se rend compte que c'est ça, on n'a pas une résistance assez forte pour faire ça. Se mettre devant le Parlement, c'est encore ça qu'on est plus capable, c'est encore ça qui est plus simple. C'est pour ça qu'on en est revenu comme ça à cause de départ. Je trouve que je vois le sondage un peu, les sondages de vote. À date, là, je vois que la CAQ est rendue juste 24. Fait que, moi, je pense que le message est commencé à comprendre, puis je pense qu'il va prendre la débâcle assez raide quand ça va être le temps des élections. Puis en plus de ça, ils viennent d'annoncer qu'ils vont peut-être faire des élections présidentielles, mais un petit peu avant c'est sa fin. Ils veulent se risquer. C'est pour ça aussi que tu sais, j'ai mis la CAQ, j'ai targeté la CAQ dans l'événement, mais c'est un peu stratégique, sauf qu'il faut comprendre que tous ces éléments-là ne sont pas propres à la CAQ. Tu comprends? Ouais, C'est le parti québécois, il n'est pas mieux. Peu importe le parti, là, ils mangent tous dans la même assiette. Ils servent les mêmes intérêts. Peu importe la marionnette, on va y donner n'importe quel nom, mais la personne qui donne les ordres est à Davos. Facile de même. Elle est là, la macaque de lunettes, là, Davos, là, M. Schwab. Hein? Ouais. Mais on n'est pas d'accord, nous autres, avec on va y en chier un, qu'un Québécois, il va avoir rien, puis il va être heureux. OK, là, on va lui montrer là, qu'un Québécois, là, si on n'a plus rien, on ne sera pas heureux, justement. On va y aller dans le trou de pète. C'est ça. Il faut se fâcher un peu, maintenant. Oui, on est pacifique, mais à un moment donné, il faut lui montrer qu'on n'est pas content. Ce n'est pas avec des ballons que tu montres que tu n'es pas content, c'est en le démontrant comme je viens de faire là. Dresse de main. Bien. Un peu dans le caractère, Rasti, là, sans être violent. Au moins aller lui montrer que là, ça commence à faire. Là. C'est plus une mascarade puis une plaisanterie, on rit plus. Là. C'est ça, la vraie meilleure façon de le faire, ce serait par une occupation. Puis tu sais, comme on disait hier, hein, Mel, je veux dire, c'est quand tu dis que même Trump, quand on regarde ça, lui-même ne fait absolument rien pour empêcher réellement ce plan-là, notamment au niveau des vaccins biométriques, etc., puis de tout ce qui peut contenir. OK, fait que, c'est quand tu vois ça, quand tu comprends ça, tu te rends compte que les politiciens, là, je veux dire, à part des politiciens comme moi, comme Jean-Charles Leroux, comme même Joe Lindigo, tu comprends, qui sont quand même des vrais, tu comprends, je veux dire, on peut pas se fier. Je veux dire, la seule chose à quoi qu'on peut se fier, c'est la pression que nous, on peut faire sur le politique pour les forcer à arrêter ça. Mais ça, là, c'est pas en disant il n'y a pas eu de monde à ta manif, tes poches, puis je savais qu'il y aurait personne. C'est pas comme ça qu'on va l'avoir, là. C'est pour l'échant d'avance de l'échec de ceux qui se battent le cul, puis c'est pas en assumant d'avance ça ne marchera pas. C'est en faisant tout, chacun, qu'est-ce qu'on peut. Ça veut dire en avant du Parlement, parce que comme disait Pat Dupuis, quand tu veux un steak, tu t'en vas à boucherie, mais c'est ça. Quand tu veux changer d'affaires au niveau politique, tu n'auras pas à te poser la question de où s'en aller. C'est au Parlement qu'il faut aller. Puis il faut arrêter d'être des requins entre nous autres, ça donne rien. L'espèce de requin, l'espèce de balouga qui essaye de tout le temps nous embarquer sur le dos, tout ça. C'est parce que qu'est-ce que j'ai remarqué dans toutes les manifs qui se passent, qui se tournent en rond, on dirait que tout le temps, il y a quelqu'un qui va avoir la couronne de César, tu sais. Moi, je suis pas pour ça, mon gars. Laissez faire la couronne de César, puis se battez-vous pour vous autres même. C'est vous autres même, la vie, elle vous appartient à vous. Pas aux autres, elle vous appartient à vous. Vous avez des enfants, protégez-les. Vous avez des grands-parents, protégez-les. Vous avez des frères et sœurs, c'était. Mais au moins, levez-vous, puis allez encourager la cause qui s'implique, tu sais. Oui. C'est pas par de la gauche, de la droite, puis dire c'est moi, je vais prendre le milieu du stage, puis ah ouais, go aussi, puis je vais me mettre une couronne, puis je vais être le roi pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un an. Yeah, c'est pas bon ça, là. Tu sais, comme je l'ai dit, là, c'est d'encourager le monde, puis d'aller d'apprendre, puis d'aller se faire entendre. C'est pas aller faire la fête, là.
C'est pour monter un stage, je sais, avec de la musique, puis de le rock'n'roll, puis on danse en avant, puis la boisson, on n'en veut pas, là, tu sais, j'en veux plus, ça fait longtemps, je le dis. C'est pas le temps, là, tu sais, c'est le temps de manifester, puis de, c'est le temps de se faire entendre, tu sais. C'est tout. Tu sais, Peter, c'est un phénomène de la couronne dont tu parles, c'est vrai, mais la contrepartie de ça, là, parce que moi, ce que je constate, qui est le plus gros problème au niveau opérationnel, au niveau... Allô, Nathalie. Au niveau plancher des vaches, là, dans la résidence, le boudage. Tu sais, exemple, ah, c'est Charles-Louis qui l'organise, j'y vais pas. C'est exactement le contraire de ce que fait François puis Zoulou. C'est vrai que je m'entends bien avec eux autres, mais tu comprends, l'idée, là, c'est que c'est ça, ce genre de snobage-là, puis il est pas dans ma gang, puis il est pas assez hot, puis il est pas... c'est là qu'on se fait avoir, tu comprends? Ben c'est ouais. Pour ça aussi que s'il vient des gens qui sont pas de notre gang, il faut absolument qu'on se mette tout dans la tête, qu'on les accueille, qu'on est content parce qu'on a besoin de tout le monde. Le problème, c'est quand ils viennent. C'est que, tu sais, il y en a un paquet de tantins. Moi, j'ai croisé, puis je suis pas la première manif que je fais non plus, tout ça. Et que, tu sais, j'en ai beaucoup. Je dis, ah, ben, moi, j'ai mieux aller avec, Joe Indigo, ou j'ai mieux aller avec François Méga, ou j'ai mieux aller avec Carl, ou je mieux ci, mieux ça. Vas-y! Mais s'il n'y a rien, ça t'empêche pas de venir pareil, tu sais. Si François n'a rien, là, viens à mienne, tu sais. Mais viens pas, s'emmener. On peut même jouer, on siffle une ligne, puis Chris, on bouille à 40 ans de gin, ou on emmène la 24, c'est pas à Saint-Jean, tu sais. On s'entend, tu sais, qu'on est là pour parler, puis on est là pour dire qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut pas. C'est vrai ce que tu dis, Peter. Le monde, il faut toujours qu'il suive quelqu'un. Mais là, bonne nouvelle, il va avoir. François, il va avoir JC, il va avoir Pascal. Mais là, Mané, c'est bien beau les nananes, là. Mais là, tu sais, comment dire, c'est une soyez votre propre leader. C'est que Mané, puis choisissez ce que vous voulez. Pensez-y, comme dire RBO. C'est comme, c'est-tu d'aller chercher de l'or mirage en Abitibi, ou c'est-tu de rester chez vous devant vos écrans? Ou on veut-tu ça, projet de loi 50? On veut-tu identité numérique? Oui ou non? Mais si c'est non, mais c'est maintenant que c'est le temps de dire. Pas maintenant sur Facebook, non, pas question, pas jamais. Ça, c'est du vent. C'est la du semaine prochaine, la semaine prochaine, je vais faire un live. Un méchant live. C'est quelque chose qui est basé sur Historia. Que ça a passé à Historia. Puis, il y a eu à peu près 22 000 personnes sur 600 millions de personnes qui écoutaient ça. 22 000, c'est pas beaucoup. Moi, quand j'ai écouté ce programme-là, j'ai resté figé le poil sur le dos. J'allais écouter trois fois qu'a passé ce studio, parce que là, il est arrêté. Je l'ai enregistré, j'allais écouter après. Ça fait 9 fois, je l'enregistre, puis à toutes les 9 fois, je suis Je fais un live. Je vais faire un live la semaine prochaine sur ça. Tu vas voir, je le dis au monde, là, prenez-vous, m'en faire une note, là, ça va être telle date. Là. Soyez présents parce que qu'est-ce que je vais montrer? Je le fais pas sur Facebook parce que Facebook me gèle tout de suite. Ni sur ça, il va être fait à baser sur YouTube. Il va partir de YouTube et il va rentrer sur Facebook. C'est le seul moyen parce que sinon, je me fais barrer. Même, ça fait 3 jours que je travaille sur le projet, puis je me fais barrer de tout bord, de tout côté. Ils veulent pas que je le passe, ce documentaire-là, puis je vais réussir à le passer. Vous allez voir que quand je vais avoir fini avec ce documentaire-là, si vous n'êtes pas réveillé, ben vous allez rester endormi, vous restant des jours, parce que c'est impossible que vous ne réveillerez pas avec ça. Donc, tu sais, c'est un autre. C'est juste une petite annonce que je voulais passer. Et que bon, on veut des bons avocats et des choses moins, mais ça. On pourrait peut-être arrêter le live parce que moi, je vois les commentaires d'affaires d'avocats, mais ça ne me tente pas de me refâcher. Mais Hélène, elle envoie des choses. Là,
pour le show. Parce que je me connais, là, j'ai assez pété de coche pour là, puis c'était des coches. Non. Mais tu sais, je ne veux pas qu'on parle d'avocat et de poursuite, là, ça ne me tente pas. Non, il n'y a pas de problème. Et quand on parle de l'empêchement. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. De toute manière, ce n'est pas la cause. Là. On faisait un live pour annoncer l'événement du 9 mai. Ouais, c'est ça. Les avocats, là, puis ces affaires de poursuite de défendre blanc en cours, là, qui ne donnent rien, c'est. Je veux pas encore me fâcher puis dire que je suis un diviseur, mais écoute, si vous pensez que c'est comme ça qu'on va gagner, là, si vous pensez, là, que Legault, là, puis son système judiciaire, là, qui est bon, d'un, qui est fier, ouais, qui va, il va finir par dire, ben oui, la Fondation des droits de liberté, vous avez raison, on avait tort. Je voudrais pas que je dégarmelle, c'est de la gargamelle, oui. Hé, Chris, ouais. Il n'y a pas plus corrompu que le barreau du Québec. Ça fait que là, on est en train de faire là. On n'est pas dans le sujet là-dessus. Là. Non, mais non. C'est vrai pareil. Ouais. Ah, oui, pour être vrai, c'est vrai. Mais c'est ça. Si on embarque là-dedans, on peut faire un live un jour pour parler de toutes les dissonances qu'il y a au sein de notre bon gouvernement. Ah oui. Pour l'instant... Ce qui est important, là, c'est la loi 50, le traité d'OMS, toutes ces crises de cochonneries-là qui veulent nous pousser de force. Hein? À un moment donné, je pense que c'est là ou jamais qu'il faut dire non. Le 24 mai que c'est signé, hein, M. Troupette, il signe ça le 24 mai. Ça, c'est le traité d'OMS. Les autres lectures pour loi 50, on peut spéculer que ça va être fait avant que l'été arrive parce que ils nous prévoient bien des feux de forêt, hein, tu sais, pour nous expulser. Ah oui! Mais non, mais là, c'est rendu. Ben oui, non, c'est parce que c'est rendu que, tu sais, pour donner la. On a des feux de forêt, ouais, mais en plus, pour donner le vaccin pour la rougeole, après ça, la rubéole, la coqueluche. Oui, là, c'est parce que j'ai été à l'hôpital l'autre jour, hein, puis ils m'ont parlé justement de ça. J'ai dit, écoutez-moi, madame, moi, quand je suis né au monde, là, sur mon épaule, ici, c'est une belle empreinte, là. J'ai tout eu des vaccins. OK? De mort. Puis, c'est dans les forces armées canadiennes. Quand on sort en mission, on est revacciné. Et que, je pense que je suis humanisé pour la vie, moi, avec tout le paquet de vaccins. J'en ai plus besoin. Tu sais? J'en ai plus besoin. Mais je le sais qu'ils vont sortir quelque chose. Ils ont commencé avec la rougeole, la rubéole, la coqueluche. Ils essayent de faire des affaires. Puis Legault, ben, c'est certain que. Puis là, Gargamel, là. Plus ce que j'entends, c'est qu'il faut. Déjà, pour quelqu'un comme moi qui est anti-vax de base, là, mais là, ces vaccins de supposément rougeole, rubéole-là, il ne faut surtout plus prendre ça, là. Parce qu'apparemment, qu'il y a des bonnes chances que l'arme à ARN soit dedans aussi. Fait que. Bah, rendu là, moi, pour mon point, là, j'ai pour mon dire, ceux qui avaient à comprendre concernant toutes ces affaires-là, ils ont compris. C'est même pas une question de vax, pas vax, ce qui est question en ce moment, ça n'a aucun rapport. Ça a rapport avec une loi qui est pour tout le monde, peu importe là, nos différences qu'on a entre nous autres. Là, hein, puis le traité de l'OMS, qui est vraiment crissement dangereux pour notre sécurité, carrément de notre pays, là, ça n'a rien que pas de rapport. Fait que, tu sais, ça, là, c'est un point commun, peu importe ce qu'on pense de tout ce qui se passe. De manière ou d'une autre, depuis, je pense, depuis ça fait quasiment 2 ans, 3 ans, là, qu'ils sortent un paquet de lois, là, on les laisse aller. Hein. Là, c'est le temps de les arrêter. Là, parce que sinon, ils n'arrêteront pas. Ils vont faire la loi 50, 51, 52, 53, 54, 55, ça n'arrêtera pas. C'est là qu'on voit qu'est-ce que ça fait de les laisser aller. Plus on les laisse aller, plus ils prennent la corde. Ben oui. Puis comme disait Mélanie, c'est important ce qu'elle dit, ça. C'est que là, on rentre dans une zone que c'est plus du tout une question d'être conspirationniste. Regarde, qu'est-ce qui est de conspirationniste là-dedans? Lis le projet 50, lis le projet 63, lis le projet 57. Puis ça, ça a un nom. C'est pas conspire, c'est totalitaire. Puis moi, dans mon discours, je vais le démontrer. Tu sais, pour les élus, puis pour le peuple, puis pour le peuple de toute la cabine, là, pas juste pour notre gang. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'on comprenne que c'est ça. C'est là qu'on est. On est en train de se staliniser, là, mais tu sais, juste toujours plus. Tu sais, c'est pas genre
pouf, du jour au lendemain, ça arrive. Là, c'est grenouille dans l'eau chaude. Là, on passe de, du stade 1 à 2 à 3, A, B, C, D, E, puis ça continue. Mais il faut que... Et la population... Oui, ouais, puis c'était de s'unir, c'était de se laisser faire. En plus de ça, là, qu'est-ce que je vois, là, c'est le monde qui commence à cracher sur le noir, le Mexicain, le Cipsa, ils sont ici au Québec, ils sont rentrés au Québec, on va les prendre comme des Québécois, c'est bon, on devrait les accueillir, les grands pros verts, puis dire, venez nous aider, nous autres avec, là, tu sais. C'est pas eux autres le problème, de toute façon, les migrants. Mais c'est qu'on a dans le pays qui fait en sorte qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis là, je m'excuse, on en fait rentrer comme de façon illimitée, mais nos capacités pour prendre soin de ces personnes-là, eux autres, sont pas illimitées. Les fonds aussi qu'on possède... Mais il faut pas leur en vouloir à eux autres. Hein. C'est trou de pète, puis l'autre, là. Ouais. Mais tu sais, qu'ils laissent rentrer ça... comme ça, là, on entend des chiffres de tout bord, tout côté. Certains documents vont dire 1,4 million depuis 2020. Il y a d'autres places que ça dit 5 millions de nouveaux arrivants depuis 2020-21. Cherche le bon chiffre, mais chose sûre, c'est que nos systèmes de santé, nos systèmes d'éducation sont pas capables de supporter ça. On n'a pas reconstruit d'école, on n'a pas reconstruit d'hôpitaux, rien, mais on a augmenté la population. Puis ça, c'est la même affaire au niveau des logements. On a une crise de logement maintenant parce que, veux pas, quand tu invites quelqu'un chez vous, tu ne le feras pas dormir sur le canapé, hein? Tu vas lui donner ici une chambre. Mais là, présentement, on est obligé de les loger. Puis ça, c'est eux autres qui sont logés en premier, si on veut, selon la logique. Hein? Puis là, on se ramasse que nous autres, ben, on a des difficultés au niveau de se trouver des logements. Ouais, sais-tu que j'en garde ton divan arrière et je coucherais le monde? Non, mais tu sais, il y a beaucoup de problématiques qui découlent de la migration, sauf que c'est pas les migrants le problème. C'est la gestion du pays le problème. De toute façon, tout ce qu'on dit depuis tantôt, la loi 50, le traité d'OMS, tout ça, fait partie d'une mauvaise gestion, une gangrène qu'on a dans nos deux parlements. C'est pas juste dans un, c'est dans les deux, la gangrène est pognée. C'est facile, puis ça date pas d'hier, là, depuis les années 70, puis peut-être même avant. Puis Peter, juste un élément par rapport à l'immigration massive, dans le fond, parce que je parlais avec des gens qui sont pas juste de notre complosphère non plus. Puis tu sais, quelqu'un qui, je veux pas nommer c'est qui, je veux pas nommer son standing, mais bon, tu sais, c'est pas n'importe qui. Puis lui, je regarde ça bien d'extérieur, là, puis il a quand même vu neiger, puis je disais, ouais, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est évident qu'il se passe quelque chose au niveau de l'immigration. Il disait, une chose est sûre. Il y a une telle chose qu'une capacité d'accueil, notamment au niveau des services de santé. Puis l'exemple qu'il a donné, c'est, mettons, pour les ophtalmologistes, qui est quelque chose de rare, tu sais, puis de précieux. Tu sais, mettons, puis si tu prends à Montréal, encore plus, puis il arrivait dans le centre, dans la salle d'accueil, tu sais, pour ce service-là. Puis c'est tous des immigrants qui sont là. Puis là, tu n'es plus capable d'avoir un rendez-vous, là. C'est des mois, puis des mois, puis des mois de plus qu'avant. Et tu comprends-tu la dynamique? C'est bien beau, ça. Tout le monde, on sème, la terre est à tout le monde. Venez-vous-en. Je sais plus la cour est pleine, c'est continue, hein, si la cour est pleine, ça déborde, puis on trouve ça drôle. Mais et voilà. Il y a des questions réelles à ça, là. Si t'es pas capable d'avoir un ophtalmologiste, si t'es pas capable d'avoir un logement, c'est qui le cave? La problématique, là, Charles, là, c'est qu'on nous dit qu'on paye des impôts parce qu'on a les services gratuits au Québec. Mais là, on a une grosse problématique si nos supposés services gratuits, on n'a même pas possibilité d'y avoir accès parce qu'on a trop de gens qui ont besoin des 10 services. Puis tu sais, on dit gratuit, mais moi, ce que j'entends, bien, à un moment donné, c'est qu'on ne sait pas tout, mais on entend toutes sortes d'affaires, puis c'est pas le gouvernement qui va nous le dire. Mais écoute, tu l'as entendu comme moi aussi, des affaires d'immigrants qui rentrent, il se fait donner 3 500 $ par mois, il y a un logement gratuit. Moi, j'entends des affaires d'employeurs qui se font donner 10 000 $ pour avoir employé un immigrant. Là, tu te dis, griff, on est si riche que ça. On a de l'argent tant que ça. Pendant ce temps-là, nous, le monde, ça dort dans les rues. À un moment donné, tu te fais comme dire, OK, tu sais, encore là, on essaye de ne pas parler d'immigration parce que c'est pas la seule à manif, mais c'est que, au même titre que ça déborde d'immigrants, ça déborde de problèmes. Il n'y a rien
de logique puis qui fonctionne dans tout ça. Fait que là, en tout cas, au moins, si on peut se concentrer sur qu'est-ce qu'on, comme disait Peter, qu'on peut changer en se disant, bon, on va pas parler de telle chose cet événement-là, mais à un moment donné, c'est vrai que ça devient dur de pas parler tellement que tout va mal en même temps, tu sais. Hey, on a mille raisons d'être devant le Parlement. C'est exact. Ça le point, tu sais. Là, j'ai rien qui a ressorti un problème, un sous-problème à part la loi 50, tout ça qu'on mentionne depuis tantôt. Mais, tu sais, bien franchement, dans notre gouvernement, on a un foutu problème. On a toutes les raisons d'y aller dans le Parlement, bien avant que tout ça nous éclate dans la face puis qu'on passe une mauvaise été. Hein. Parce que l'été, ça n'annonce pas super bien, parce que comme c'est là, je ne sais pas comment vous le prévoyez, votre été, là. C'est ça. Mais ils nous sortent toutes que des belles conneries. Tu sais, ils nous prennent pour des idiots, des caves, je sais pas, là. Moi, je fais des farces de cet incite, tu sais. Je suis allé au dépanneur, puis j'ai demandé voir à la caissière, la gérante, qui est mon amie, s'il resterait pas, tu sais, des fonds d'essence d'hiver, là, parce que, tu sais, je serais preneuse à 1,49 le litre, là, mais au prix auquel le gaz d'été est rendu, là. Non, mais tu sais, ils nous prennent pour des stupides. Ben non, mais c'est là, c'est parce que c'est le gaz d'été avec. T'as-tu changé l'air de tes pneus? Ben, écoute, t'as mis l'air d'hiver, là, et ça te prend de l'air d'été, là, dedans, là. Ben, on fait des conneries, là, ils nous sortent des conneries, là, ça n'a rien que pas de bon sens. Ils nous prennent pour une petite gang de Mongols. Et puis on leur donne raison, on les laisse faire. Tu sais, comment ça se fait qu'au Québec, on n'est pas comme en France, là, partout en Europe, tout le monde est dans la rue, tout le monde fait quelque chose. Au Québec, le calme plat, puis pendant ce temps-là, ils stackent les projets totalitaires. Après, c'est vraiment genre, il y a de quoi avoir honte, là. C'est vraiment honteux. Puis, tu prends juste, mettons, les agriculteurs, OK? On sait qu'il se passe le même problème partout. Les agriculteurs, ce qu'ils nous disent, on veut pas faire, surtout pas faire comme en France, on veut juste faire juste des manifs, puis on retourne chez nous. Mais écoutez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais qu'on n'a pas d'expérience révolutionnaire au Québec, mais à il faut apprendre. Il faut regarder ceux qui ont de l'expérience, comme de la France, comme les États-Unis, puis il faut dire, faut checker les façons de faire qui fonctionnent. Tu sais, puis rester. Et on n'est pas obligé de violent, on n'est pas obligé d'être illégaux, mais il faut avoir une pression à un moment donné, tu sais, s'il vous plaît. Sans vouloir mal parler des agriculteurs, Charles, le point que je voudrais soulever, moi, sur ce sujet-là, c'est que les agriculteurs, plutôt que de vouloir s'unifier avec la population, ben, ce qu'ils disent, c'est que, tu sais, on est prêt à vous accueillir si vous venez nous supporter, mais pensez surtout pas qu'on va vous supporter, nous autres, dans votre cause. Non, c'est un affaire que je me suis fait dire, hein. J'ai été voir une manif, j'ai été encouragé une manif de cultivateurs, puis c'est qu'est-ce que j'ai été voir deux représentants de ça. J'ai dit qu'on voit des camionneurs, la cause que nous autres on plaide devant le gouvernement, parce que à un moment donné, un agriculteur il dit ouais, ben vos drapeaux, fuck Trudeau, fuck Legault, je dis, on veut pas voir ça. Je sais pourquoi. Non, mais c'est de ça. C'est non, mais les autres, ils en voulaient pas. T'sais, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi? Parce que tu viendras pas nous aider dans notre cause pour nous aider. Moi, je suis en plein ça. Eux autres, c'est l'agriculture, c'est la pêcherie, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas plus loin que ça. Ouais, j'ai bien beau avoir de la viande, du pain, du lait, tout ça, mais moi, ma cause à moi, c'est mettre dehors deux personnes, puis je vois réussir. On peut pas s'en sortir en tirant chacun à couverte, chacun de notre bord, puis en voulant juste se retirer notre épingle du jeu, chacun. La position des agriculteurs en ce moment est pas différente de n'importe quel syndicat au Québec, puis de que ce soit la SCSN, puis tout ça, qu'on y arrivait devant le Parlement, ils nous regardaient comme des édentés, justement. Puis tu sais, puis c'est comme eux autres, tu vois, c'est comme des groupes de pression qui veulent avoir leur petit avantage à eux autres, pas plus, pas moins, et une fois qu'ils ont ça, ils s'en vont. C'est pas que... C'est pas même qu'on va s'en sortir non plus, là. C'est pas chacun vers juste son petit intérêt personnel à soi. Tu sais, c'est ça. Ouais, mais c'est fait comme les dindons, hein. Les dindons, ils sortent du bois, ils descendent dans le champ. Après ça, ils s'en vont sur le bord, ils sautent dans le canal. Après ça, ils s'en vont sur la route. Puis, tu sais, ils savent pourquoi faire, hein. Ils préfèrent la même affaire, c'est se regrouper puis se tenir ensemble. Tu sais, c'est pas, c'est par pied.
Ouais, c'est ça. Ça revient à la même petite réponse que j'ai demandé tantôt. Là, la chose, c'est pas à cause que toi, t'aimes mieux Jonathan, que tu peux pas aller voir ailleurs. On va tous finir dans le même bateau de manière ou d'une autre. C'est juste que, oui, garde ton point de vue que t'aimes Jonathan, mais viens encourager l'autre bord. Et peut-être en réunissant la gang à Jonathan avec nous autres, ben, on va en faire un plus gros. Puis là, après ça, on prendra la gang à François de Moméga. Après ça, on prendra l'autre gang. On va finir plus gros. On va grossir, là. On va aller avoir un but. Mais tu sais, c'est certain que, et moi, j'en reviens tout le temps sur mon idée, c'est pas une fête foraine hein, qu'on fait. C'est la manifestation. Écoute, je me permettrais d'ajouter quelque chose. Je voulais le dire en live éventuellement, mais je vais le dire là, c'est important. Mais c'est, tu sais, comme la première journée, c'est tel que tel. Regarde, on arrive, moi, Jérôme et Mélanie. Tu sais, on va repartir, on a des vies. Mais tu sais, c'est que là, maintenant, il faut sortir l'idée aussi de Charlot, c'est ta manif, c'est à toi de tout faire, OK? C'est que là, faudrait vraiment que chacun se prenne en charge. Puis tu sais, que dès le lendemain, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Tu comprends? T'sais, parce qu'on voit comment que fonctionnent les gens. Ils veulent des gens. Ils veulent un leader pour les yeux. Fait, mais ça, ce qu'on a vu, c'était n'importe qui peut devenir des leaders. Là. C'est comme ça qu'a fait Diana Biondo. C'est ça que Pat Dupuis a fait. C'est ça qu'Alexandre Laverdière. Il suffit d'être là et de tenir le fort. Ça n'a pas besoin d'être toujours le même. C'est ça le travail d'équipe. C'est ça la passation du flambeau. Mais tu sais, c'est que là, bon, mais si les gens sont capables de faire ça, moi, je m'engage à me faire plaisir après ça, de retourner le plus souvent possible, OK? Mais il faut arrêter de tout le temps mettre le fardeau sur une personne ou sur deux ou sur trois. C'est le peuple. Quand on dit le peuple qui se prend en main, c'est le peuple. Tu sais, là, le peuple. Genre pas un sauveur. C'est ça. Ben, c'est en plein ça, tu sais, mon point que je voulais dire tantôt, tu sais. Me semble, moi, à mon humble avis, avoir entendu plusieurs personnes, OK, chialer contre des gourous. Mais de ce que je remarque, là, c'est que s'il y a des gens qui refusent de venir parce que là, le gourou n'est pas là, hein? Tu sais, moi, j'appelle ça un gourou aussi, ça là, là. Puis si t'as un gourou, c'est parce que toi, t'es un pantin. C'est un gourouté. Fait qu'on a une gang de gouroutés, pantins, moutons, dans le fond. Hein? C'est ça. Hein? Oui, t'as besoin d'un chef leader, c'est un berger de moutons, ça? Hein? Non, mais tu sais, à un moment donné, on pourrait-tu avoir des loups, là, à quelque part? Hein? Du monde. Tu sais, là, moi, je n'ai pas, moi, de meneur qui va m'amener là. J'ai décidé que je venais. J'ai décidé, Charles, je vais t'accompagner, puis je vais te donner un coup de main, puis tout ça, parce que ça m'interpelle. Tu sais, ben, on devrait tous être de même, pas attendre après lui puis l'autre qui nous mène là-bas. C'est ça, là. C'est quelque chose qui t'interpelle, tu y vas. C'est tout, là. C'est que tu sois, mettons, quelqu'un qui est pour Jonathan, ou je vous dis Jonathan, que ce soit François, que ce soit Carl Giroux, que ce soit n'importe quel lanceur d'alerte, mais on va tout finir dans le même bateau. C'est ça, c'est de réunir toute la gang, finir tout le monde là. Tu sais, on parle de la loi 50, il y en a d'autres lois qui vont sortir, il y en a d'autres après qui vont s'en venir parce que M. Gargamel puis M. Grand Schtroumpf, ils n'ont pas fini, là. Ils n'ont réellement pas fini, là. L'été commence, puis attendez-vous que ça va rentrer au poste, puis on va en avoir pour des vertes puis des promeurs. Puis tu sais, quand tu dis, Peter, tu sais qu'il faut que les gens se demandent si ça les interpelle, là, tu comprends? Logiquement, toute la résistance, ça serait censé les interpeller s'ils ont compris anything là, dans les trois dernières années. Puis de deux, après ça, résistance ou pas, là, ça veut dire quoi s'interpeller? Ça veut dire, ça peut-tu que ça veut dire d'utiliser son sens critique, son jugement, de se poser la question, est-ce que j'aime ça, moi, ces mesures totalitaires-là? Est-ce que je veux laisser passer ça? Oui ou non? Est-ce que c'est important de faire quelque chose comme ça? Est-ce que c'est majeur? Est-ce que c'est fondamental? Tu sais, mettons... Mais la question majeure, Charles, là, c'est facile. Est-ce que moi-même, je veux vivre là-dedans? Puis est-ce que je veux que mes enfants, mes petits-enfants vivent dans ça? Hey, on est les deux... Nous autres, on allait jouer dehors. Il n'y a personne qui nous écœurait. On avait des bars, des discothèques. On avait des roulatecs, on avait des skateparks, des arcades, on avait plein d'affaires pour faire tout ce qu'on voulait. Maintenant, les jeunes, ils ont quoi?
ils ont pu à rien. Ils pitonnent sur le téléphone cellulaire et sont hypnotisés par le patente, là, le maudit cellulaire. Ouais, ben, ils sont contrôlés. On est contrôlés comme ça. Ben, c'est ça. Mais on veut donner ça comme vraiment là, comme héritage à nos enfants. Vraiment. Puis posez-vous la question. Si vous ne faites rien plus tard, quand vos enfants vont vous leur mettre sur le nez tout ce qu'ils vont avoir vécu, tu vas-tu être gêné? Tu vas-tu avoir honte si tu ne peux pas avoir bougé ton cul? Sa réponse est oui, là, ben bouge. Tu as raison, 100% raison, Mel, avec ça. Là. Puis si c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes aussi. Si ce que, je veux dire, vous ne venez pas à manif, c'est correct, puis dans le fond, à la place, vous écoutez des vidéos. Que ce soit des Netflix ou des vidéos d'influenceurs qui vous influencent à quoi? À rester chez vous devant votre écran? À les regarder? À vous contrôler? C'est ça, de l'opposition contrôlée. Ben, puis des jeux, ils viennent du gouvernement, ils viennent d'eux autres, là, ça change quoi? Là, ils vont dire quoi, là? Est-ce qu'ils vont dire aller à manif ou regarder nous faire nos pitreries, faire les clowns, faire les oufs, les vraiment vous distraire de ce que vous avez à faire. C'est ça? Pour vous, des leaders. Ben écoute, si ce sont pas agents du gouvernement, ils sont bénévoles du gouvernement. Hey les gars, je m'excuse de vous interrompre, mais moi j'avais de la visite. Ouais, ben là, d'ailleurs, je vais fermer le live. Là. Le message est passé. J'ai partagé mon live à tout le monde. On va en reparler un petit peu. Charles, je vais refaire un autre live dans le courant de la semaine. Je t'inviterai. On en remettra d'autres sujets sur le sujet, si ça te tente. Là. Là, Mélanie, je sais que tu m'avais prévenu que tu avais de la visite. On va aller voir ta visite. Puis, nous autres, on va fermer le live là. Puis, on en reprendra ça un peu plus tard. C'était ça. On vous donne rendez-vous jeudi le 9 2014. 24 à 10h sur la colline parlementaire. Venez à grand nombre. Vous allez comprendre. On va vous expliquer des affaires que tu sais. On va être là. Moi, avec, je vais être là. Marc, il va être là. Peut-être que Jean-Pierre, position de guerre avec, il va peut-être m'accompagner. Sa santé est pas forte, mais il va peut-être m'accompagner avec. Puis j'ai des militaires, j'ai du monde là-bas qui vont descendre. On va être là pour t'encourager, Charles. Oui, puis on va avoir du fun. Ça paraît pas de même à nous entendre chialer, mais en réalité, ça va nous faire du bien parce que c'est toujours ça que ça fait. Plus on est fou, plus on rit. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. On s'ennuie quasiment des mesures. OK? Fait que, tu sais, quand vous pouvez, nous, on va arriver, je sais pas, on va arriver le plus tôt qu'on peut. Je dis 10 heures, mais disons, on va parler à partir de Chicoute, là, moi, Mélanie et Jérôme. On va arriver le plus tôt possible. Là. Mais, okay? Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir du monde. C'est sûr que ça va être le fun. Moi, je devrais... Plus longtemps qu'on reste mieux. Comme je t'ai dit, là, je devrais être là vers 9h. Là. Moi, je vais t'aider. Je vais te fournir du son. Moi, là. Je vais t'emmener du son. Puis, en tout cas, on s'en reparlera sur ça. On n'aura même pas besoin d'alcool pour avoir du fun, hein, Peter? Ah non. Moi, quand j'y vois aller, même, là, ça me déprime. Tu sais, vous pouvez emmener vos enfants avec. Il n'y a rien de manip, de malice à rien. C'est pacifique. Vous pouvez venir faire le tour avec vos enfants. Ils sont bienvenus. Si on est capable, on va essayer d'avoir un petit clown. je serais même surpris qu'il y ait des antifas. Parce que, je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils feraient là. Si sont pour le projet 50 puis tout ça, qu'ils reviennent chanter Liberté dans leur contre-manif après. Non, de toute façon, on va s'organiser une sécurité. Je ne penserais pas que des antifas viennent voir. Il n'y a aucune raison d'avoir rien. De toute façon, il va y avoir des vétérans. On va tous avoir ça. Je vais avoir une bonne garde. Je vais avoir une bonne garde. Là. C'est certain que je suis en train de faire monter une garde là, à cause où que ça viendrait pas briser parce que les affaires qui vont être en avant, c'est à moi. Hein, puis... Il y en a qui veulent bousculer, on va bousculer. Certain que je vais avoir une bonne garde de vétérans devant moi. avec le stage et tout ça. Tu vois, il aurait fallu que je fasse affaire avec vous autres avant. Je te laisse aller, Mélanie. Je te laisse aller, Charles. Salut tout le monde. Bonsoir. On s'envoie le 9. OK.
Fait que c'est ça le live aujourd'hui. C'était juste un petit avant-goût de jeudi le 9 mai à 10h du matin à Colline parlementaire Québec. Sur ça, je vous donne rendez-vous. Je vais refaire un autre live avec Charles cette semaine, avec d'autres invités avec. Puis je vais faire un live là, avec dans l'autre live, je vais vous donner une date exacte, mon prochain live avec les commentaires de Os Historia avec les 5 scientifiques qui sont là. Vous allez voir, ça vaut la peine, réellement la peine. Manquez pas ça. Je vais redonner une date fixe au bout de ça. Là. J'ai tant arrangé mes affaires un peu là, que pour pas me faire buster parce que à date, je l'ai essayé une fois. Ça a pris même pas 5 minutes. Ils m'ont busté ça. Ils m'ont formé ça dans la face. Fait que, comme je dis d'habitude, on fait attention à nos enfants. Nos mères, nos pères, nos sœurs, je vous aime. Hein? Oubliez pas qu'il faut faire bien attention à ça. Faites attention à vos enfants. Puis allez donc voir grand-papa, grand-maman au CHSLD. Allez donc les aider un petit peu, le personnel un peu. Hein? Ah non, moi, ça fait très trop longtemps. Moi, j'ai pas vu mon grand-père. Il m'a oublié. Il pense pas à moi. Non, non, il sera peut-être content de te voir avant de rendre l'âme. Tu sais. Il y en a peut-être qui disent bien sûr, mais tu vois, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez-en, puis amusez-vous. C'est ça. Que l'émission est finie.